C'est le premier navire à hydrogène à faire le tour du monde et une des inspirations du Samana 59 Rex H2. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Louis-Noël Viviès, directeur général d'Energy Observer, qui va nous expliquer un peu l'expérience Energy Observer. Louis-Noël Viviès, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous présenter Energy Observer ? Energy Observer, en fait, c'est un des premiers grands catamarans de course. Donc, c'est pour ça que c'est symbolique, en fait, que le premier navire de plaisance utilisant ces technologies hydrogène, entre autres, hein, soit chez Fontaine Pajot, parce que c'est quand même aussi en Charente-Maritime qu'il y a eu ce fameux catamaran Charente-Maritime, un des premiers catamarans de course qui avait défrayé la chronique à l'époque. Energy Observer, à la base, c'était TAG, le premier grand catamaran fabriqué par Canadair en 83, donc le bateau a 40 ans, ce qui prouve aussi que quand on parle d'analyse du cycle de vie des bateaux aujourd'hui, c'est un bateau qui va fêter ses 40 ans, en avril. Et c'était un bateau de course, hein, et qui a été ensuite utilisé, surtout rendu célèbre par Peter Blake, parce qu'il a battu le record de vitesse autour du monde avec ce bateau-là. À l'époque, il avait 450 mètres carrés de voilure, il pesait 15 tonnes. Aujourd'hui, Energy Observer en pèse 35 tonnes, et il n'a plus que deux petites ailes de 32 mètres carrés, mais qui sont super efficaces. Donc voilà, l'histoire, c'est l'histoire d'un bateau de course légendaire qui a été modifié, rallongé un nombre de fois incalculable, et qui est aujourd'hui le premier laboratoire des énergies renouvelables, puisqu'on travaille sur des ailes automatiques qui vont servir pour la marine de commerce. On travaille sur des panneaux solaires, puisqu'on développe toutes les nouvelles générations de panneaux solaires souples pour Solbian, qui sont les panneaux qu'apparemment on voit sur les catamarans de série. On travaille sur des hélices à pas variable, et puis bien évidemment sur l'hydrogène, qui est un peu... C'était une première mondiale d'avoir un électrolyseur sur un bateau, à l'époque, en 2017, quand on a mis le bateau à l'eau. Et on a fait maintenant 50 000 milles, donc l'équivalent de deux tours du monde avec ces technologies. C'est un laboratoire hyper efficace. Le fait de bloquer des ingénieurs, des marins marines marchandes avec des systèmes assez compliqués et innovants, mais il faut que ça marche, c'est vachement efficace en fait. Alors justement, quels sont les obstacles qu'a affronté Energy Observer suite à l'implantation d'un système hydrogène à bord ? C'était le fait que ce soit vraiment innovant. Et donc, c'était des obstacles un petit peu théoriques, mais c'était tout ce qui était normes, tout ce qui était un peu réglementation quand même. Mais comme on était les premiers, je dirais que le bureau Veritas, par exemple, avec qui on travaille d'ailleurs aujourd'hui sur les nouvelles générations de cargo à hydrogène liquide, ils nous ont plus suivis comme des partenaires pour eux-mêmes se faire une culture sur l'hydrogène. Donc, comme on était vraiment les premiers, on a été assez bien suivis en fait. Mais très clairement, quand on se ravitaillait en hydrogène sur le quai, sur les premiers départs, on avait les cadres d'hydrogène posés sur le quai par un petit camion avec un vague ruban rouge et blanc autour. Mm-hmm. On s'est plaint comme ça. On a eu des galères d'électrolyseurs. Au début, ça ne marchait pas. Hein. Enfin, il faut être clair. On a toujours aujourd'hui beaucoup de travail à faire sur la compression parce qu'il n'y a pas de compresseur, de petits compresseurs embarqués. Donc on a fait des systèmes de compression custom. Voilà, sur chacune des briques, en fait, on a dû innover, fiabiliser, casser, remplacer. Mais globalement, aujourd'hui, sur la partie hydrogène, depuis que le bateau est équipé d'une pile Toyota, qui est une pile automobile de grande série industrielle, c'est quand même beaucoup plus simple que quand on avait une pile prototype qui subissait toutes les contraintes d'un univers marin, c'est-à-dire de l'air humide, salé, des secousses, des écarts de température... Et tout ce qu'il ne faut pas en fait pour une pile à combustible, sans parler, en effet, comme le disait Jérémy ce matin, de la pollution aux particules fines. Ça paraît bête, mais dans les ports, il y a tellement de bateaux diesel, surtout pendant la haute saison en Méditerranée. Or, ces particules fines, il ne faut absolument pas que ça rentre dans la pile à combustible, parce que ça flingue les membranes. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur les systèmes de filtration d'air, etc. D'accord. Sans parler du refroidissement, parce qu'on a un système de refroidissement, bien évidemment, qui est aussi avec un échangeur qui utilise l'eau de mer comme refroidisseur. Donc voilà, tout a été à inventer. Donc ça a été step by step. Mais là, je salue le boulot énorme qu'ont fait les ingénieurs embarqués. Mais même si les vitesses moyennes aujourd'hui du bateau, elles sont de
sous les cinq nœuds. Mais quand on pense au premier grand bateau solaire de la même taille, qui était que solaire, hein, qui s'appelait, je ne sais plus comment, la planète... Planète solaire. Planète solaire, oui. Le gros bateau allemand qui faisait quand même 125 tonnes, il a fait le tour du monde à 1,8 nœuds de moyenne. Oui. Bon, nous, aujourd'hui, sur une traversée classique, on est à quand même 6 nœuds. Bon, on est un peu aidé par les alizés, hein, mais, et on fait des pointes à 12. Donc, non, je pense que le bateau, aujourd'hui, il arrive presque au bout de 5 ans, un peu au terme de son développement. Maintenant, on ne fait plus que de la fiabilisation, en fait. Mmh. On fiabilise, on essaye des nouvelles générations de panneaux solaires, on essaye, bien sûr, encore pas mal de choses en matière d'hydrogène, notamment tout ce qui concerne la corrosion à bord. Parce qu'on a quand même un circuit hydrogène de très haute pression, puisqu'on fait l'hydrogène à bord, hein, ce qui n'est pas le cas sur les bateaux de série de Fontaine-Pajot. Mais comme tu le sais, on fabrique notre hydrogène à bord. Et après, on le compresse à bord nous-mêmes. Donc ça veut dire beaucoup de canalisation, de connecteurs à haute pression. Mais je pense que la culture course au large et marine marchande sont vraiment importantes dans ce projet, parce que c'est ça qui nous a permis, par exemple, de demander d'avoir du piping, c'est-à-dire d'avoir des tubes et des connecteurs qui soient plutôt souples, parce que en bateau tout bouge tout le temps. Et si on écoute les ingénieurs, ils vont vous dire non, il faut tout le temps que ce soit extrêmement solide, que ce soit du HR, de haute résistance, machin, etc. Mais nous, on préfère avoir des petites fuites et puis au moins savoir où c'est et l'isoler et le réparer plutôt que d'avoir des systèmes qui sont parfaits en laboratoire, mais que dès que vous les mettez sur un bateau, en fait, ça casse de partout et puis vous savez pas comment réparer. Donc voilà, cette approche assez pragmatique qui vient de la course au large. Et puis l'exigence de marine marchande, etc., ont fait que les progrès en fiabilité et en performance du système, pour moi, ont été vraiment spectaculaires. Pour être honnête, quand on a mis le bateau à l'eau en 2017, moi, je ne croyais pas du tout que ça marcherait aussi bien. Surprise. Mois, ouais. Surprise, merde, ça marche. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est vachement bien de voir des bateaux de série qui adoptent ces solutions-là. Parce que nous, on est persuadés que c'est vraiment l'avenir. Enfin, on ne voit pas d'autres solutions, en fait. Donc justement, suite à l'expérience que vous avez d'Energy Observer, comment est-ce que vous voyez le futur de l'implantation de l'hydrogène dans le secteur maritime? Alors, pour être précis, on pense que sur les petits bateaux, on va utiliser des technologies automobiles pour plusieurs raisons, parce que c'est beaucoup moins cher, parce que c'est fabriqué en grande série. Il faut savoir que Toyota, cette année, ils vont produire... Ils ont un objectif de 30 000 piles à combustible, la même que celle qu'il y a sur ce bateau-là. Donc on n'est plus du tout dans des piles à combustible prototypes, fragiles, avec des durées de vie à peu près inconnues. Là maintenant, il y a plus de 3 000 voitures à hydrogène qui roulent tous les jours, entre la Californie, le Japon, la Chine, l'Angleterre, les pays scandinaves aussi. Donc c'est un système qui est vraiment fiabilisé. Oui, on a un track record, on a des données sur le vieillissement, sur la corrosion des membranes qui sont extrêmement fiables. Ce qui n'est pas le cas des autres piles, en fait. Donc, on a des espérances de vie aujourd'hui qui deviennent vraiment cohérentes avec un usage maritime. Donc, je pense que sur les petits bateaux, on va utiliser de plus en plus ces piles industrielles parce qu'elles sont pas chères, très fiables, légères, compactes. Et puis, on va avoir un stockage qui va être encore gazeux parce que dans l'automobile, il est gazeux. Donc, avec des pressions jusqu'à 700 bars, donc qui est la norme dans les voitures, on a des systèmes qui sont à la fois légers, très économiques, qui prennent pas trop de place. Bien sûr, sur les très fortes puissances, il y a super yacht, cargo, etc., qui sont les gros chantiers sur lesquels on travaille aujourd'hui, avec Air Liquide, avec CMA, CGM, là, on bascule dans l'hydrogène dans l'hydrogène liquide, donc refroidi à 252 degrés, à moins 252 degrés. Et là, c'est des technos qui sont vraiment innovantes. Et là, on est reparti dans un cycle, à mon avis, de vraie innovation, casse, mise au point, etc., comme on l'a fait à l'époque pour Energy Observer 1. Mais ça concerne vraiment les gros navires. Mais la frontière entre l'hydrogène gazeux, donc je dirais grand public, standard, et l'hydrogène liquide, qui est un peu l'avenir du transport lourd et du transport maritime, elle va devenir poreuse parce qu'on se rend compte que l'industrie du poids lourd... investit beaucoup sur des petits réservoirs d'hydrogène liquide qui auront donc la compacité, mais il n'y a pas encore la techno derrière pour traiter ce qu'on appelle le vapor lock, c'est-à-dire que quand vous refroidissez à moins 252 degrés d'hydrogène, forcément il y en a un peu qui s'évapore et on perd entre 10 et 15% de l'hydrogène par jour rien qu'en évaporation. Alors si vous avez un bateau qui utilise tout le temps de l'énergie, type un cargo qui utilise encore de l'énergie quand il est à quai, ou quand vous avez un poids lourd qui roule jour et nuit, et qui même quand il est arrêté a toujours un groupe électrogène qui tourne pour maintenir la remorque froide, etc.
cette évaporation d'hydrogène, elle peut être utilisée, bien sûr. Mais quand vous avez un bateau de plaisance qui va passer 7 jours en location en mer et après 7 jours à quai ou 3 jours à quai avec personne à bord, c'est moins cohérent de perdre 15% de votre réservoir par jour. Voyez, il faut avoir en permanence de la consommation. Donc c'est plutôt, à mon avis, pour les navires professionnels. Vous êtes à passager, pêche, voilà. Donc, non, il y a... Donc, l'hydrogène liquide pour les navires professionnels, ouais, et plutôt l'hydrogène gazeux, ouais, pour, ouais, des bateaux type croisière comme le Samana 59 Rex, voilà, H2. Ouais, je pense. Ouais. Et alors après, bien évidemment, aucun de ces bateaux n'a intérêt vraiment à produire de l'hydrogène à bord comme on le fait nous. Donc ils dépendent bien sûr du déploiement de stations à hydrogène dans les ports. Maintenant, de l'hydrogène, il y en a des quantités industrielles partout. Parce que vous savez que pour faire un litre de diesel, vous avez besoin de beaucoup d'hydrogène. Le diesel, l'essence sont fabriqués, c'est du pétrole brut qui est raffiné avec de l'hydrogène. Donc il y a l'hydrogène, dès que vous avez une raffinerie, vous avez des quantités énormes d'hydrogène. À Fos, au Havre, partout. Donc il y a de l'hydrogène, énormément. Le problème, c'est le lien entre ces grosses quantités d'hydrogène, si possible, le plus vert possible, hein, décarboné, et comment remplir le bateau. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dispenser, une station, quoi, qui doit prendre cet hydrogène, le compresser à la bonne température et l'injecter dans le bateau. C'est pas, ça ne demande pas beaucoup de place. C'est des investissements qui ne sont pas énormes, mais on trouve que c'est long. C'est-à-dire que le temps que les collectivités, que les ports... c'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est qu'en fait, il n'y a pas de consommateurs aujourd'hui, ou très peu. Hein, il y a le bateau qu'on a fait pour les Calanques à Marseille, qui s'appelle Innova, mm-hmm, qui est un 40 pieds... qui emmène des touristes dans les Calanques. C'est pour ça qu'on compte beaucoup aussi sur des gros événements comme les Jeux Olympiques pour pouvoir créer une demande un peu soudaine qui permette de justifier l'investissement d'une pompe dans les îles du Frioul ou à Marseille, parce qu'il y aura un gros événement et qu'après l'événement, la religion, je dirais, des Jeux Olympiques, c'est que chaque investissement ait un usage derrière qui rende pérenne l'investissement. Donc, on estime qu'il y aura suffisamment de consommateurs d'hydrogène, par exemple, dans la Marseille, La Ciotat et les Calanques, qui justifieraient le fait qu'il y ait une station. Mais c'est un peu une bagarre de tous les jours avec à la fois les énergéticiens qui investissent dans ces systèmes et puis avec les collectivités locales qui, aujourd'hui, voient encore un peu l'hydrogène comme un truc un peu futuriste. Un peu futuriste, alors que ça n'est pas du tout. Enfin, c'est... Alors justement, pour vous, ça doit quand même être quelque chose d'être un événement comme celui-ci où on applique ce qui a été mis en place sur Energy Observer. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça nous touche à la fois dans notre culture, dans notre ADN, parce que, encore une fois, Fontaine Pajot, pour nous, la naissance de Fontaine Pajot, c'était Charente Maritime, donc c'était un grand catamaran de course comme nous, donc de voir cette histoire... de coureurs qui ont dit ok, on va partager notre savoir-faire du multicoque et on va le distribuer au plus grand nombre et on va donner accès aux catamarans, aux plaisanciers moyens en fait. Voilà. Et nous, notre histoire, on vient de la course on se dit ok, on va développer des technos parce que ça nous amuse, hein, parce que c'est super intéressant en fait. Moi, je viens de la course au large, je viens de la America's Cup, des grands multicoques. J'ai été l'agent de Carsozon pendant très longtemps. On a fait les premiers grands trimarans, etc. Mais là, j'ai beaucoup plus appris, je pense, en 5 ans chez Energy Observer, sur le plan technique, à la fois en hydro, sur les hélices, en aéro, en solaire, en stockage, en électricité. C'est bien plus riche que simplement dépenser des centaines de milliers d'euros pour refaire de la simulation de cavitation sur un foil. Hein, ce qu'on a fait c'est du concret là. Ouais, c'est du concret et surtout c'est un usage direct, immédiat pour plein d'applications. Donc non, ça nous fait hyper plaisir parce que on a l'impression qu'on a la même culture, qu'on a la même approche, qu'on est hyper pragmatique nous. Hein. Vous savez, on accepte beaucoup d'innovations, mais si au bout de 6 mois on n'arrive pas à rendre le système opérationnel, je ne sais pas si tu te rappelles des éoliennes verticales qu'on a essayé. On a essayé un nombre de systèmes, les kites, machin, avec des. Enfin bref, on a essayé un nombre de trucs incalculables. Toujours avec beaucoup de courage et de ténacité. Mais quand ça ne marchait pas, on débarque le système. Quand on n'y arrive pas, malgré 50 000, 100 000 euros d'investissement dans une techno et que ça ne marche pas, ben on débarque et puis on trouve autre chose. Et je trouve que cette approche pragmatique où on prend l'équipement, on prend la techno, on la met dans l'eau, et ben c'est en fait la seule façon de procéder pour faire avancer les choses. Et y a une vraie communauté de passion, d'intérêt.
Mais au lieu, comme font certains skippers aujourd'hui, jeunes skippers, ils disent « Ah, mais non, mais en fait, tout ça, c'est polluant, etc. » Ouais, non, mais l'idée, c'est de que tout ce qu'on travaille pour la compétition, qu'il y ait des applications directes ensuite pour les plaisanciers, pour le transport maritime. Et je pense qu'à la fois Fontaine et Energy Observer le font de manière concrète, quoi. Écoutez, merci beaucoup Louis-Noël d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis surtout, bonne continuation. Et puis on espère voir le futur de l'hydrogène avancer rapidement. Le bateau rentre en France pour les Jeux Olympiques. Il sera à Paris, on espère, pour la cérémonie d'ouverture. Et après, il servira justement de plateforme de formation continue et de formation pour les officiers de marine marchande. Donc on fait tout ce qu'on peut. Formation, techno... diffusion, distribution pour pousser la société hydrogène. Donc on vous voit en France en 2024. Voilà, absolument. Super, merci. À bientôt, au revoir. À bientôt.